I see something long absent in the sunken faces of passersby. A glimmer of hope. Oh, un soupçon d'espoir. C'est mignon. On est de retour. Alors, avant que je commence, on m'a dit que j'avais fait une erreur. Apparemment, je suis en train de supprimer vitesse plus 2. On ne sera pas remboursé, mais l'euro sera immédiatement disponible pour partir en quête confirmée. D'accord, ok. Donc c'est bien ça, les gens avaient raison. On peut en lock en fait seulement 3. Donc nous on a vitesse 4 au premier tour, on a soin reçu. Et esquive si les HP sont bas. Ça, on peut l'enlever. Mais du coup... Vitesse 2, 6 heures supérieure, 75. Ouais, c'est utile, mais sans être utile, en fait. Enfin, si, c'est plus utile que je pense. Quoique, non, 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 le premier tour, honnêtement, moi, ça m'intéresse, le premier tour. Ça m'intéresse. Mais oui, j'avais pas fait attention. Mais on peut loquer que 3 habilités, du coup. Donc ouais, c'est un peu embêtant. Donc, j'ai balancé de l'argent pour rien. Strictement pour rien. Donc on va enlever l'essoufflement. C'est un peu triste. Un peu triste. Donc ouais, merci de m'avoir prévenu, de m'avoir expliqué. C'est vrai. Ah là là, ça me fait chier, ça fait... C'était quoi de tout ce... Bon, c'est pas grave, c'est de l'argent, ça va, ça vient, on s'en fout. Donc la dernière fois aussi, on avait fait un peu de cours, et on avait fait un peu de farm aussi. On avait même utilisé des gens de cristallin, j'ai envie de dire, on va les appeler comme ça, les recrues cristallines. On les avait utilisés, c'était bien passé, on en a perdu une, qui apparemment ne meurt pas, de ce que j'ai compris. Elle est juste coincée en limbo, en fait, coincée dans le temps. Et peut-être qu'après elle revient. Bon, nous on l'a virée parce qu'elle était stressée et tout ça, et puis on s'en foutait. On en a récupéré une nouvelle, donc c'est cool. Un nouveau perse bouclier, voilà. Donc très bien, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on a récupéré quelques cristaux en plus. Maintenant, il faut passer un peu de temps. Il faut passer un peu de temps, donc il faut passer au moins une semaine. Donc j'ai pensé à faire... Où on peut faire ça, genre la Toussaint. Mais bon, c'est pas trop utile. Après, on a des longs runs aussi pour les objets ancestraux. Encore, je crois, il y a là, par exemple. Ça, c'est bien, mais bon... Faire un truc long, honnêtement, c'est quand même bien chiant. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Là, on a dégâts 25% si on est en position 1. C'est pas si mal, mais bon, le critique moins 5, bon, je suis d'accord, c'est chiant. Mais c'est pas si mal, c'est long, c'est novice. Alors après, le problème, c'est que je crois qu'il nous manque des healers. En soin, on a du 4, Vestal 4, Occultis 4 et Occultis 3 qui est pas dispo. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc ce qu'on va faire, on va faire un run très court et je crois qu'on va prendre tout simplement des DPS. Ouais, on va faire ça. Toi, tu vas faire office de healer. Non, mais ça sert à rien. Quoique, ça peut être utile. De toute façon, on va spammer la lance si t'es en troisième position. Toi, tu vas healer. Tu vas avoir la lance sacrée. Toi, on va t'enlever ça. Quoique, on peut mettre comme ça en fait. Et toi, tu peux te soigner. Ok. On a une équipe, donc une équipe de niveau 1. Alors, on va mettre vitesse. Donc une équipe de niveau 1, on va pas trop s'embêter, on peut mettre que des DPS, il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Très bien. Pour le croiser, on n'a rien de très spécial, je pense pas qu'on ait besoin. Attends, toi, tu prends ça. Pour le croiser, je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'augmenter son soin pour le moment. Précision critique esquive, ça m'intéresse pas vraiment.
Anneau solaire, comme ça on baisse pas la l'esquive. Bah tiens, on peut mettre ça. Attends, pourquoi mettre ça quand on a ça? Franchement. Let's go! Comme ça, on passe une semaine. Comme ça, on passe une semaine. Bam. 3, 2, 2, non. 3. Et c'est parti! Donc ouais, on fait une petite mission juste pour passer une semaine tranquille et comme ça on récupère nos autres personnages et on va refarmer tout ça. Mais bon, je suis un peu dégoûté qu'il n'y a que 3 habilités qu'on peut locker là. Tiens, ça c'est un boost de dégâts. Très bien. Ah! Cruel machinations spring to life with a singular purpose. Okay. On peut utiliser une torche en combat. Ouais. Jamais fait ça aussi. Alors, bam. Ok, on l'a pas tué. Ah c'est bien, t'as avancé toi. Tu vas te prendre un coup du lépreux là, tu vas voir. Tu vas pas rigoler. Je t'avais dit que t'allais pas rigoler. Décimated. Nickel. Another abomination cleansed from our lands. T'as beaucoup de stress toi, j'avais pas fait trop attention. Nickel. Magnifique. Magnifique. Oh, il a dit la phrase. Eh ben. Toi, prends des dégâts aussi. Donc ouais, on fait ça tranquille et après on repart dans la cour et s'amuser avec les suceurs de sang. Joli. Press this advantage. Give them no quarter. C'est vraiment sympa une équipe qui peut danser en fait. Impunity. Honnêtement, c'est vachement intéressant, je trouve. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Qui peut changer de position tout le temps. C'est beaucoup plus safe en fait, dans un sens. Très bien. Ah merde! Bon, ça va, il a esquivé. Ouh, let's go. Waiting to be spent. On veut toute l'argent possible. Tout l'argent possible. Il en manquait un seul de trucs. Aïe aïe aïe, ce jeu. On aurait dû virer les torches à la place. Ah, enfin. Back to the pit. Nickel. Magnifique. Évidemment, faut que tu te fasses toucher, que ça soit un crit, que tout le monde stresse. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que je déteste ce jeu des fois. Ce jeu est injuste. Ce jeu est injuste. Tout simplement. Ce serait bien qu'on refasse pas la même chose.
Oui et non, mais... Faudrait qu'on soigne un peu. Enfin, je voudrais bien soigner le stress, en fait. Mais bon, là, on peut pas vraiment. Très bien. Ouh, c'était presque du déjà vu, quoi. Leur formation est broken. Maintain the offensive. Presque du déjà vu, c'est fou ça. Brought low and driven into the mud. Parfait. Après, si notre équipe de vétérans là, elle est prête, je pense qu'on va directement faire de la cour avec la même équipe. Ah, quoique non, attends. Aïe aïe aïe, si on prend la même équipe, ils vont monter de niveau et on pourra plus faire le boss. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Je sais pas, ça c'est vraiment embêtant hein, le fait que les gens montent de niveau. Ça, c'est vraiment embêtant. On va voir. Bon, je crois que le mieux, ça serait qu'il stresse, lui. Hein. Comme ça, on a peut-être une chance d'avoir la vertu, là. Comme ça, il déstresse. Ah, très bien. Il y a plein d'équipes que je veux tester. Je sais pas si j'en ai parlé déjà. J'en ai parlé déjà ? Je m'en rappelle plus. Genre le mur par exemple. Avec Vestal, maître d'armes, croisé, lépreux. Ça peut être marrant ça. Après il y a... Il y a double antiquaire que je veux tester aussi. Double antiquaire, maître d'armes, avec... Après, le quatrième, je sais pas trop. Peut-être... Qu'est-ce qui pourrait être bien? Ah, peut-être Kiaran, celle que... Avec la pioche, là. Le skin par défaut, c'est celle avec la pioche. Parce qu'elle, elle esquive bien et elle peut se rendre invisible et tout ça. Donc tout le monde esquive. Donc il y a tout le monde protection, tout le monde esquive. Genre protection avec le mur, après esquive avec les antiquaires. Qu'est-ce qu'il y a, quoi d'autre comme équipe que je voudrais tester? Ouais, endurance, c'est bien ça. Lenteur, c'est chiant ça. Ok, cool. Endurant. Sympa. On récupère un peu d'argent, c'est pas beaucoup par contre. There is a great horror beneath the manor. A crawling chaos that must be destroyed. Nickel. Nervosité, souffle. Nickel. 69 de stress. Alors, on a un vétéran bandit. C'est pas vraiment mon kiff. Ah, pas bof. Moral de fer. Donc, du coup, toi, t'as plus ça. Très bien. Ouais non, c'est pas intéressant. On a un mercenaire. On a un flagellant en cristal. Flagellant cristal, ça m'intéresse. Another soul battered and broken, cast aside like a spent torch. Oh, ça va, je les ai... C'est pas comme si les mecs, je les... Ah si, je les vire, mais...
Pas besoin de dire des choses comme ça, là. Après, je me sens mal. J'ai des sentiments. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Oh, c'est quoi ça? Ah oui, dégâts contre les impies, toi. Tiens, tiens, tiens. On a ça? Je crois que c'était l'anneau qui... Genre, plusieurs fois, je voulais le prendre, mais... Ah, si, si, on en a un, quand même. Okay. On en a un. Là, on a quoi? Protection. Stress, c'est pas mal aussi. Ah, le miroir. Contre les suceurs de sang. Vitesse, sur l'infini étourdissement. 20%, bien sûr, c'est un bof. Un voile levé. Donc vétéran. Ça c'est embêtant que ça soit vétéran. Parce que tout à l'heure c'était la dernière fois c'était champion en fait. Là vétéran ça me fait un peu chier. Ouais, ça me fait un peu plus chier qu'autre chose en fait. Merde. Attends. Stress. Alors, désolé, je vais devoir prendre quelques minutes. Je vais devoir prendre quelques minutes pour le stress là. Alors, il y a Maneili qui est en stress. Où est-ce qu'on est là? Ok, donc elle peut aller que là. Toi, t'as Mantel qui est toujours là. Ok, ça marche. T'as toi aussi. Toi, parce qu'en fait, je voudrais bien te prendre. Mais tu stresses. Du coup, c'est emmerdant. Ah, mais attends, pourquoi tu stresses? Ah oui, c'est parce qu'il avait le plus 20 à chaque fois, en fait. On l'a même pas, on l'a jamais utilisé, mais il a plus 20. Quelle merde. Attends, on peut te mettre là, toi là. À la limite, on peut faire ça. Il y a Vanguard qui est stressé aussi. Verdun. Verdun. On a notre copain. Ah oui, mais attends, on va pas le mettre n'importe où. On pourrait le mettre là. Après, ça va faire de l'infection. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à déstresser en fait? Non. Donc, à la limite. Plutôt, on peut faire ça. Ok, très bien. Il y a Vanguard à déstresser. Vanguard, je crois qu'on peut l'emmener à l'abbaye. Non Vanguard, on peut l'emmener à l'abbaye. Putain, mais tu coûtes cher, Vanguard, gros! Regarde, tu m'embêtes un peu. Après, on n'est pas obligé de le déstresser maintenant. On peut attendre. Donc maintenant, donc ça veut dire que on a besoin encore d'une semaine. Parce qu'on a Corbett qui est en train de déstresser. Donc on a besoin encore d'une semaine. Donc on va pas pouvoir emmener du vétéran parce que c'est le seul healer qu'on ait. Dans les niveaux 3, 4. Après oui, on a des 4 comme j'ai dit, mais je veux les garder pour le boss, juste au cas où. Voilà, le mid, on utilise L. Oh, putain, la léthargie, quoi. Oh là là, putain, ces gens qui ont toujours des problèmes. Voilà. Alors à la limite, on peut peut-être faire un run avec... Avec Runeville. Du coup, elle passera 4. Du coup, elle passera 4. Toi, on te garde. Après, qu'est-ce qu'on a en niveau 3? Toi...
peu limité quand même. La elle. On a deux. Ok, on en a deux. Bon, il y a Runeville qui va passer directement 4. 5, pardon. Donc elle, on pourra plus la jouer. Bon, c'est pas trop grave parce qu'on a Raincourt qui est là. Donc à la limite, ça va. Du coup, comment on joue ça en fait? Si on fait du vétéran. À la limite, on peut prendre un. Ouais, on peut faire ça peut-être. Allez, on va faire ça. On va faire de la cour, mais avec un niveau 3-4 là, en vétéran. De toute façon, c'est des petites zones, donc ça va. On rentre, on fait la mission, on se casse. Genre, rien d'autre quoi. Toi, t'es en 3. Ça, ça. On a du heal du coup, donc pas besoin. Ça à la place. Nickel. Nickel. Après, on m'a dit aussi que les gens pouvaient pas mourir en ville. Genre, par exemple, nous, on a un vampire là. Je trouve pas. On a un vampire, mais en théorie, il devrait pas pouvoir mourir en ville tant qu'on a du sang. Donc en théorie, on en a une trentaine, je crois maintenant, donc on devrait pas avoir de problème. Mais ouais, on peut faire ça. Après aussi, j'ai pensé le fait de que le la genre, on a besoin de sang. On a besoin de sang pour survivre là. Quand ils sont infectés. Je suis d'accord. C'est tout du mêlé ou pas? C'est distance, c'est mêlé. Merde. Je suis d'accord. Et du coup, il y a le fait de. Aussi. Ils peuvent s'infecter les uns les autres s'ils sont dans le même bâtiment. J'ai pensé à ça aussi. Ah, on peut utiliser les trucs contre les suceurs de sang, là, voir un peu comment ça, si ça marche bien. Donc je me suis dit, ouais, c'est ça, bon, c'est pas trop gênant et tout. On doit faire juste un peu attention et tout. Mais en fait, c'est le bordel monstre. Parce que imaginez que, du coup, il commence à se passer, en fait, la maladie. Ça veut dire que, en fait, on va avoir de plus en plus de gens, du coup, avec... la maladie de sang. Donc ils vont demander de plus en plus de sang. Parce qu'on aura plus de gens. Donc il faut les nourrir. Si jamais on en a un. Comme là ce qu'on fait là par exemple. On a Montague qui est saignant là. Pour éviter de qu'il contamine. Ce qu'on fait nous. C'est qu'on le met jamais avec quelqu'un d'autre. Je cherche quoi là? Moi je cherche des trucs contre suceur de sang. On a strictement rien. On n'a pas genre dégâts. Je suis sûr qu'on avait dégâts. Ah voilà, dégâts 25%. Je veux voir un peu si ça fonctionne bien. Et sur le coup, je me suis dit... Bah en fait, ça fait perdre des mois. Ça fait grave perdre des mois de... des semaines, pas des mois. Ça fait grave perdre des semaines, en fait, de faire ça. Parce que... si on évite de mettre les gens ensemble, que genre dans un seul bâtiment, il y a une personne, alors qu'il y a... ça dépend, genre si c'est le bar, donc on peut faire 3, 6, 9 du coup. On peut faire ça. Donc ça fait 9 places et il y a une seule personne en fait qui prend tout pour éviter toute contamination. Ben c'est fou en fait. c'est énorme le nombre de semaines que vous allez perdre à faire ça. Et je trouvais ça assez drôle en fait quand on y pense. Me disais, waouh, c'est vrai qu'en fait ça peut bloquer pas mal de choses.
Ça peut vraiment foutre la merde. Tiens, dégâts 20%. Pas du stress. Pas du stress, de l'esquive. On tire un peu ça. Ça me paraît honnête. Ça me paraît honnête. Juste un 100. Enfin, on va en trouver de toute façon. Donc honnêtement, on n'a pas besoin. On fera d'un demi-tour. Ah, c'est bon. Mais ouais, j'ai pensé à ça. Et du coup, en fait, c'est crescendo, quoi. Ça monte petit à petit. Mais si vous faites pas attention, en fait, tout le monde est contaminé. Tout le monde a besoin de sang. Il faut aller farmer du sang. Donc il faut perdre des semaines à farmer du sang. Après, vous en trouvez aléatoirement. Mais bon, si vous avez une quinzaine de personnes à nourrir, bah, vous en faites jamais assez. Vous en trouvez jamais assez. Donc à chaque fois, il faut aller faire ces missions-là, ce qu'on est en train de faire, avec du vinificateur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça, et après on fait retour. Ah ouais, non, c'est le bordel monstre, en fait, quand on y pense. Si vous faites pas gaffe. Par contre, faut qu'on augmente les habilités, je crois. Ouais, c'est quand même cool en fait ce système, c'est bien pensé, c'est honnêtement bien pensé, ça peut foutre un putain de bordel monstre quoi, c'est assez drôle. Ah, du coup ça c'est suffisant de 100, 8 à 16, alors que normalement c'est 7 à 14. Plus 15% breloque, donc ça c'est des dégâts à 15%, mais là on a 25% en tout. Ouais. Je crois que c'est comme ça du coup. J'aurais dû taper l'autre, je fais de la merde. Unnerved, unbalanced. Je sais pas si on peut faire de l'argent dans la cour, m'étonnerait. Hein. Je suis sûr qu'on peut pas. Enfin, je suis sûr qu'on va pas récupérer assez d'objets pour faire de... Oh la vache. Pour faire vraiment de l'argent, du vrai quoi. What? Homme d'armes, protection 10, critique 5. Ouh, c'est pas mal ça déjà. Et après, mes jours de gloire. Hein. Riposte, dégâts 25%, riposte, précision 10. Ça tue? C'est marrant, c'est un petit homme d'armes en soldat en fait. Soldat de pur, c'est marrant ça. Ok. Alors ça, c'est ça. Je me demande si on l'a trouvé parce que on a elle dans l'équipe. Mais ça c'est cool ça. Dans un sens j'ai bien envie de faire le combat quoi, maintenant. Pour aller voir ce qu'on peut récupérer. Allez, vas-y. Ok.
Bam. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts de plus en fait ça. Oh! Ça nous en fait un deuxième. Great is the weapon that cuts on its own. Faut un peu te soigner par contre. Ah quoique attends, on va peut-être te tuer d'abord. J'ai rien dit. J'aurais dû soigner. Death by inches. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Grand manche cadavre. Une sorte de ver en fait. Ça c'est une bête. Ça. 5 à 9. Ah non, infection 120%, ouais, d'accord. Oh la vache! Perched at the very precipice of oblivion. Putain. Putain, le machin. Toujours sur la même personne, ça fait plaisir. Et merde! Ah, ils ont changé de place, mortel. Pourquoi je fais ça? L'infection elle va pas passer. À quoi que maintenant, oui, maintenant elle peut passer peut-être. Oui. Oula, je fais de la merde, désolé. Faut que je me concentre. Pas faire attention. Ah, peut-être qu'on peut faire l'attaque. Ouais, soigne lui. Ah, parfait, parfait. Voilà. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ça. Donc on a quelqu'un d'autre qui est contaminé. Pour l'instant c'est que de la vitesse. Après c'est des... c'est pas vraiment un niveau Ouais, oui, face à un niveau... combien ça? Ah non, ça c'était un niveau 2 qu'on a monté niveau 3 parce que, oui, son truc il est pas augmenté. Ses habilités, tout ça, sont pas augmentées. Donc à la limite, c'est pas trop grave si on s'en débarrasse. Tristement, pas trop grave. Alors, ça, comment ça marche? Ça? Distraction perturbante, la preuve en décomposition d'une société décadente. En décadence. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Faire regarder vite fait. Ah, faut lui défoncer le crâne avec une pelle. Bam! C'est vrai que c'est... ouais, on va faire ça. Voilà. Très bien. Oh mon dieu.
Après, le mieux, ça serait d'envoyer des gens qui sont déjà contaminés. Comme ça, ils risquent rien. Ils peuvent pas se faire recontaminer, vous voyez ce que je veux dire? Nickel. Confidence surges as the enemy crumbles. Aïe aïe. Le debuff est monumental hein, quand même. Ça sert à rien de faire cette attaque en fait s'il n'y a pas de d'infection. C'est vraiment inutile. Ça sert à rien. Ah, quoi que si. Bon. Slowly, gently. This is how a life is taken. Je préfère la musique de la ferme quand même. Press this advantage. Give them no quarter. Du sang et de l'argent. Ah oui, mais il nous falloir plein de place en fait. Merde. Ah attends, on peut faire ça. L'appel est pressant, ma vie est irrésistible. Seul le sang apaisera cette soif. Qu'est-ce que ça a fait? Malédiction pourpre. Alors, esquive, 4 tours. Non, mais ça c'était tout. Ah bah si, ça a mis de l'esquive et de la vitesse, c'est ça? Je crois que c'est ce que ça a fait. Bon, Après, je sais pas si on a besoin de tout le reste en fait. Sac est vide. Manche cadavre. Les vitesses. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Attends, t'as combien d'esquives? Bon, t'as 4 de vitesse. Mais esquive, on a déjà 9, c'est ça? Alors, on a déjà 9. Donc ça fait plus 7. Ok, faut qu'on soigne maintenant. Il va virer un cadavre parce que sinon lui il va pas avancer. Aïe aïe. Qu'on soigne tout le monde.
Ah merde, mais je lui ai enlevé le soin à elle. Chaque fois, c'est vert et tout, je crois que c'est toujours le soin en fait. Elle va jouer en premier en plus, je crois, non? Ok, ça va. Normalement, on la tue. Je suis dans la merde. Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Ah, peut-être qu'on va avoir besoin de la pelle. Attends, là tu me fais 5. Mais dis-moi, c'est de la merde là. Oula. Je voulais faire passer les tours. Oh yes, surpris. Ok, ça va, sauver. Eh ben... A dizzying blow to body and brain. C'est la merde. Ah, les monstres de la cour, là, comme ça, c'est un peu galère. Ah, pour une équipe pas parfaite. Inspiration and improvement. Tu vas tuer, elle. Demoiselle en détresse. Ah, c'est bon. Faut un peu de soin par contre. Un peu de soin un peu partout et après on est bon. Très bien. Joli. Perfecto. Ah, voilà, on a bien fait de pas utiliser la pelle. Bon, par contre, elles sont où les réserves de vin là? Putain. Oh, mon dieu, mais elle doit être. Ah. T'es quoi toi? Mégère flétrie. Ceci semble être un ancien membre de cette maudite cour que tout le monde évite. Qu'est-ce qu'il y a? On te donne du sang. Ici. Attends, on te donne du sang. Oula, attends, qu'est-ce que c'est? Ok. Thank you.
c'est un peu de la merde. Donc je... Oh non. Ah ça. Ah. Packs laden with loot are often low on supplies. Ah. C'est bon, on se casse. Quoi? Penchant pour l'alcool. Attends. Yes. Attends. Tu viens de boire? Ou tu viens de récupérer un penchant pour l'alcool? Genre, est-ce qu'on vient de perdre les... Le sang ou pas? Je crois qu'on vient de perdre le sang. Mais du coup, ça a compté pour la quête ou pas? Parce que là, c'est... Je crois qu'on était à la troisième réserve. Hein. Je suis quasiment certain qu'on était à la troisième réserve. On va continuer tout le long, hein, voir si ça... Très bizarre. A momentary abatement. Ah merde. A momentary abatement. How quickly the tide turns. M'inquiète. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ah. Ah non. Okay. Ouais, non mais sinon elle a tout bu. Elle a bu 4 Elle a quand même bu 4 fioles de sang. Alors, dépérissement. La force de votre héros infecté s'estompe rapidement. Seul le sang peut le nourrir. On a eu 10k. Pas mal. Mm-hmm. Ouais. Waouh. Ok. In time. You will know the tragic extent of my failings. L'hérésie dans le sang. Un aliéné excommunié se retourne contre l'infestation croissante. Stimulé par la conviction, il est sans pitié et exécute son travail en causant d'extrêmes préjudices. Le fanatique traquera les groupes contenant des héros infectés. Oh merde. Merde. On a deux. Alors mon tag est bon. Il a perdu 100 000 pièces, c'est super. Mon taille a soif de sang. Ouh. Ouh, t'as pas l'air fun. You will know the tragic extent of my failings. T'as vraiment pas l'air fun. C'est quoi ça? C'est un bûcher? C'est pour nous, c'est ça? Aïe. Ça va mal finir ce soir. Ah, voilà une réserve de champions. C'est bien.
Twitter si on veut. Est-ce qu'on peut y rejoindre? Non, on vous invite à rejoindre cette Twitter. Infestation moyenne. Ah tiens, on a ça à récupérer. C'est bête qu'on doive cliquer tout le temps. Ils auraient dû faire en sorte qu'on passe la souris dessus et qu'on voit directement. Objet trouvé. Objet trouvé, c'est une augmentation gratuite. Ça, je me rappelle. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, sur le coup, je sais plus. Fais voir le stress. Oui, alors il y a toujours toi, ça va, il n'y a pas de problème. Il y a Vanguard aussi, à déstresser. Donc nous, on a deux... dépérissements, c'est quoi ça? Malédiction, je pourrais... Je mourrais si je n'ai pas de sang. Ah oui, mais bon, mec... Qu'est-ce que je te dise, moi? Oui, mais bon, je n'ai pas envie de te prendre pour te... Comment... Hein? Comment on fait? Carcasse de rat, tu peux pas mourir, ça va, tu risques rien. Bon, je vais réfléchir à ce qu'on fait. Je dois faire une petite pause, de toute façon. Je reviens direct, je coupe, hein, évidemment. Mais je sais pas ce qu'on va faire. Ou alors on fait... Je vais voir si on peut directement relancer, en fait. Sans trouver une autre invitation. Une invitation est nécessaire pour accéder à la cour. Mais est-ce qu'elle est toujours d'actualité, la nôtre, ou pas? Je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Mais sinon, du coup, on ira faire ça. Et on récupère du sang. Bon, après, c'est vrai que d'envoyer des gens, en fait, plus on envoie des gens à la cour et plus on a une chance qu'ils soient infectés. Et oui, ça c'est un petit problème, en fait. J'avoue que c'est un petit problème. Donc je vais réfléchir à ce qu'on fait. Et sinon, on essaye de récupérer des objets. Je crois que ça, pour le maître chien, ça peut être pas mal. On va peut-être récupérer ça, c'est une moyenne, c'est des sacs de grains, c'est très rapide. Comme ça, ça bouclera notre épisode, je pense. Ok, je reviens vite. Ok, on est de retour avec le fou furieux là, qui est apparemment là. Il fait un peu peur quand même. Il vient visiter notre lieu. Donc il chasse les gens qui sont infectés. Ça va être un peu la merde pour nous. Enfin bref. Alors, je voudrais faire un truc qu'on n'a pas... récupérer un objet qu'on n'a pas. C'est ça. Donc c'est dans la tanière. En plus, on pourra faire le boss après. Donc récup exceptionnel, c'est cool, mais on a le collier à pointe, dégâts 20, saignement 30, et après les soins reçus et compétences de soins moins. Pour le maître chien, je pense que c'est vachement bien. Donc on va faire ça. Voilà. Par contre, tenez bon face à l'infestation, infestation moyenne. Faire attention à ça. Alors, on peut dormir. Enfin non, on peut se reposer. Ça veut dire qu'on peut éliminer certaines ennuis, anxiété. Non, on va te virer ça. Toi. Ennuis et anxiété. On peut virer ça. Parce que ça va pas être très dur, donc autant en profiter. On peut virer ça. Du coup, enfin pour toi, il te faut... Alors Nesdin, ça va être bien, ou alors Kiaran. Kiaran est pas mal. Docteur, toi t'as les sangsues, un compagnon. On peut se reposer tranquille avec empêcher l'embuscade. Toi tu peux t'enlever directement aussi les maladies. Ah oui, alors fais voir un peu le nouveau là. Hop là. Donc ça. Et après le reste riposte là, c'est quand il est transformé en vampire, je crois.
Les joueurs de gloire. Dégâts, précision pour la riposte. Et là, on a précision et critique. C'est pas mal, quand même. Sinon, on va équiper ça comme ça. Enfin, attendez. Moi, je suis en train de l'équiper. Je sais même pas si on va prendre lui, en fait. Je vais être honnête. Je dirais pas non pour prendre une ville. Comme ça, elle passe directement 6. Mais bon. Ce serait pas trop efficace quoi. On peut faire ça à la limite. Comme ça. Ça me paraît pas mal. Allez, vas-y, on équipe les gens, on y va. Donc là on est tanière. Tanière c'est quoi déjà? Tanière c'est les cochons. Tanière c'est les cochons. Donc des bêtes. On peut prendre des gaves hein, honnêtement. Des gavins. Après toi on va te mettre ça. PV esquive. PV esquive vitesse. Très bien. Toi, comme d'habitude, les trucs pétés. On peut pas. Attendez. Non, on peut pas. Genre contrôle-clic ou un truc comme ça. Genre, ce serait vachement bien de pouvoir faire comme ça. Genre contrôle-clic. Pour mettre les babioles directement au lieu de se faire chier là. Protection. PV max esquive, j'imagine. Ok. Toi t'as le rat, toi il te faut le rat aussi l'autre. Enfin j'en sais rien en fait, normalement on m'a dit qu'on pouvait pas mourir mais bon je sais pas. Ah oui j'en ai mis quelques-uns à se reposer aussi. Bah attendez. Ouais. Il y a Destain qui est en train de boire. On a Néland aussi qui est en train de prier, je sais pas trop quoi. Et toi aussi t'es en train de boire, Kulai. Donc voilà, j'ai mis ça aussi pendant que je faisais ma petite pause. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, héros qui dépérissent en ville. 1. Laissez-leur assez de sang pour où ils mourront. Ah, ok. D'accord. Ouais, donc en fait, ouais, non, ils peuvent pas mourir en ville. D'accord, ça marche. C'est ça en fait. Là, ils te disent que, bon, on a un truc en ville, on a un héros en ville, donc il lui faut au moins un sang, je pense. Enfin, qui dépérissent, qui ont besoin de boire. Ça marche. Ok, cool, let's go. On va pas... Attends, peut-être pas... On va pas avoir de problème, du coup. C'est parti. On va pas avoir de problème. On a plein de sang. On a une soixantaine presque. On a 2 contaminés et une soixantaine de sang. Ça va. On peut voir venir. Even the fiercest beast will lay down when it is not eaten. Steal their food. Ça marche. Oh. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Attends, nous c'est des trucs de sacs de grains. Oh, oh, oh.
Fleur de sang. Fleur de sang. Du coup, en champion. Dans une zone qui est pas la leur. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Enfin, faut faire gaffe. Oui, ça c'est... Ça va être compliqué de pas se faire infecter, parce que si on se fait pas infecter, enfin, si on se fait attaquer, quoi. Y'a rien à faire. Faut juste espérer qu'il n'y en ait pas qui se fasse infecter. Après, on m'avait expliqué, je crois qu'il y a quand même un avantage, que si vous prenez du sang et que vous le buvez, genre, vos personnages infectés peuvent genre faire plus mal. Ils sont plus puissants, je crois. Un truc comme ça. Alors, attends. 24. Putain, t'as 25 points de vie. What? Oh! Oh, okay. Voilà. A death by inches. Très bien. Très bien. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais dû faire des dégâts. Continue the onslaught. Destroy them all. Non, 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 non. Ah, putain. Rien que des corps pourrissants, c'est à prendre. The match is struck. A blazing star is born. Ah, c'est embêtant, par contre, de pas pouvoir... faire du repérage. Est-ce que ça pourrait être là, 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 là? Objet de quête. Objectif de quête. Donc il y en a deux en haut. Ouais, elle est là. J'aurais pas dû l'ouvrir. If only treasure could staunch the flow. Saphir. Otherworldly corruption. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Alors, boum. J'aime beaucoup un Darkest Dungeon au final, hein. J'aime vraiment bien. Un peu mon... Ah bon, vraiment mon coup de cœur. Il y a... Fin de... J'ai envie de dire, il y avait... Darkest Dungeon, je l'ai commencé quand? 2022 du coup? L'année dernière? Il y avait War Tales que j'ai énormément aimé, j'ai quasiment une centaine d'épisodes dessus, tellement qu'il était bien. Et du coup, ben, le suivant c'est Darkest Dungeon aussi, pareil. Bah là on est, je crois, presque à 5 ans peut-être. Mais j'aime beaucoup le jeu et tout ça, vraiment très cool, la façon de jouer et tout ça. Donc ça me dérange vraiment pas d'y jouer en fait. Ah mais vas-y. Confidence surges as the enemy crumbles. Très bien. Faudrait repérer tout ça là. Comme ça on est tranquille. Ah.
Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. On va d'abord aller voir le reste des coffres et tout ça. Enfin, de la salle, des couloirs et tout machin. Et puis après, on rentre. Oh la vache. On revient là et on campe. Ah ouais, mais toi, t'as vraiment de la résistance de fou. Ah, là, c'est la merde. Je sais pas qui a attaqué en premier, en fait. 140 d'infection. Ça va jamais passer. On va faire ça. Toi, tu fais méga mal. Ok, c'est bien. Joli. Voilà, doucement, doucement. Oui, 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 oui. Faire L. Normalement, si je lance ma lance, je ferai assez de dégâts, je pense. Tu vois, 4 à 8, ça va. Même fait un critique. Évidemment, le dernier horreur qui passe. Ah, mais si tu me fais pas de repérage, tu me fous dans la merde en fait. Bon, après, il y a peu de chances quand même que ça soit. Bon, là on a repéré. Peu de chances que ça soit là, je suis d'accord, hein, mais bon. Ça, c'est de l'argent. Merde, ça je m'en rappelle plus. Ah, je crois qu'il faut juste le toucher, on a une chance. Ennuyeux et inintéressant. Ok, on revient. Et après, on va là. Je sais que la torche elle est basse, c'est juste pour l'économiser en fait. Enfin on peut dormir là, parce que j'ai peur après qu'on tombe sur l'autre machin là. Gathered close in tenuous firelight, an uneasy companionship. Empêche les embuscades. Parfait. Là on a... Donc le flagellant et furnival. Flagellant, furnival. Voilà. Très bien, il reste plus que 3. On peut mettre de la protection, mais il n'y a que lui qui en gagnerait 15. Peut-être pas très intéressant.
que ça. Un peu plus de... d'infection. Nickel, let's go. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Bien joué les gens, on va monter après aller à... Ah oui, mais non, c'est un cul-de-sac. On va se débrouiller quoi. Packs laden with loot are often low on supplies. Il va nous falloir des, de la place, donc bon. Pas comme si on allait rentrer avec beaucoup de choses. Bien joué. Carelessness will find no clemency in this place. Nickel. Doit être en, vers la fin du coup. Je sais que j'ai un sac de grains derrière, je le prends quand on revient. Ouh! Aïe aïe aïe! A fortune. Non, il me faut la clé, j'allais virer la clé. Ah oui, non, là c'est. Ah oui, non, là c'est embêtant là. In Radiance, may we find victory. Et merde. Ça va. Cassez-vous les cochons. Non mais oh. Aïe aïe. Putain, tu fais mal. A decisive pummeling. Stun sur les... sur le petit cochon. Ça n'a strictement rien fait. Tiens, prends-toi de la précision en moins, toi aussi. C'est gratuit, j'en t'en as pas eu, c'est bien. C'est bon, toi t'es mort au prochain tour. On n'en parle plus. Parfait. Ça se passe bien. Masterfully executed. Alors. Hop. Ouh, ça c'est du bon heal ça. Ça c'est du bon heal ça. Merde, t'es pas mort. Their formation is broken. Maintain the offensive. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder ça. Aïe aïe aïe, trop de trucs quoi. Coffre. Alors, attends, j'ai peut-être envie de garder les antidotes pour ouvrir les coffres en fait. Parce que les coffres, on peut les ouvrir aussi avec les antidotes. Ah. On n'a pas besoin d'autant de nourriture. Pas besoin d'autant de tout aussi. On peut aussi ouvrir ouais, les coffres empoisonnés, pas empoisonnés, les coffres verrouillés. Genre antidote pour enlever le piège, je crois, ça marche.
Donc techniquement... Putain, vrai. Je vire de la bouffe et c'est maintenant qu'on a besoin de manger. Donc techniquement, on n'a pas besoin de clé. Pour ces coffres-là. Les petits, en tout cas, je crois. Je crois que c'est que les petits. Je sais pas si c'est les gros aussi. Bien joué. Mind that such missteps are the exception and not the rule. Je garde le joyau là parce que ça fait de l'argent. On pourrait en récupérer un autre peut-être. Sans déconner. Je crois que je vais le virer. Ah! Bonjour! Non, ils nous ont fait peur. Oui, 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 oui. Il va faire mal, lui, en plus. Voilà, très bien. Tiens. Ouh, joli! Joli. Sans déconner. Ah c'est marrant, il passe devant en fait lui quand il tape. Du coup lui il s'est retrouvé... Non, il passe derrière quand il tape. Du coup il s'est retrouvé devant, donc il faut qu'il refasse un tour pour se remettre derrière. Pas mal. Ouais. J'aurais pu stun à la limite. Impressive. Encore une fois. Donc il va sûrement vouloir repasser derrière. Ils sont une équipe de merde. Ça, voilà, ça c'est un mauvais, une mauvaise équipe. C'est marrant ça, tiens. Un mauvais setup. Marchez pas très bien ensemble, hein, les jeunes. Non, marche pas. Ça marche pas du tout, là. Ça fait combien, là? 31. Bon, de toute façon, on peut commencer sur lui. Ah merde, je peux pas. Voilà, retraite au trop. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Et bah les mecs, c'était triste à voir. Oh la vache, quoi tout ça là? Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Yes, objective 4. Me demandez pas d'avoir faim, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ayez pas faim. S'il vous plaît, merci. Ah! La blague, quoi. The ground quakes. Wow, quelle précision de merde. Oh! Injury. Putain, toi, tu fais des critiques, hein, tu fais mal, hein. Ça fait vomir dessus en plus.
Pas sur elle. Merci. C'est vrai qu'ils ont échangé leur place. Oh les relous. Pas les relous, tout le monde est. Tout le monde est empoisonné lui. Allez, après ce combat, on se casse très vite. C'est bon, il y a 3 morts déjà. Voire 4. Pas encore. Enfin si, si, on va le tuer avant qu'il bouge. Ah, magnifique. Et adieu, adieu tout le monde. Un singular strike. Magnifique. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ça. Et voilà. C'était beau. These foodstuffs yield double benefit. The town may eat, and the swine will not. 15k, 56 trucs, ça c'est cool. Alors, ça va, c'est cool, je suis content. C'est très bien passé. Modest offering from those few surrounding farms as yet untouched by the spreading calamity. Quoi ? A perdu conscience et a égaré une breloque, bracelet de rédemption. Alors, Montag a bu un flacon de sang et sa soif s'est calmée. Très bien. Il parvient à contrôler les désirs de sa malédiction pour le moment. Aïe aïe aïe. L'autre, elle a perdu une breloque. Ah non, ça peut pas être un. Ça peut pas être un niveau 3. Non. Putain, ma breloque là. Ah, ça y est, boss. Alors c'est quoi? Résistance au saignement 50% et PV max 15. C'est un peu de la merde. Hein. C'est un peu nul. Ah oui, c'est ça qui me manque. C'est un peu nul, je trouve. Marée douce. C'est marrant parce que là on a. Bon, attendez, est-ce que vous me faites chier à chaque fois de parler? C'est marrant parce que là on a. On va pas payer. Ah si, on a quand même un vétéran x2. On va pas payer. Et je me disais, tiens, on n'a pas de champion en long. On va pas payer les ressources. Bon, on a un vétéran en long par contre. Mais ça m'avance pas plus que ça, un vétéran en long, en fait. C'est plus dangereux qu'autre chose, en fait. C'est plus chiant qu'autre chose à faire. Donc au final, non. On peut faire un moyen. À la limite, on peut faire ça. Quoi ça ? Il y a ça, il faut qu'on récupère un jour ou l'autre.
Là aussi, ça m'intéresse pour. Pour tester. Le croisé healer là. Bon, on va s'arrêter là, je crois. Le prochain fois, on va faire ça. Enfin, honnêtement, peut-être qu'on peut le faire maintenant, en fait. Attendez. Peut-être qu'on peut le faire maintenant. Donc, du coup, j'ai pas besoin d'équiper les autres. Pour le sang, là. Alors. Alors, nous. Non, ça, c'est. La chair. Il faut que je regarde deux secondes. Ça, c'est la chair. C'est les 4, ils ont une seule vie, je me rappelle. Ils ont une seule vie. Je crois que faire des dots, honnêtement, c'est le mieux. C'est le plus simple. Parce qu'on peut, on peut taper n'importe quelle partie. On peut taper n'importe quelle partie. Et... ouais. Ah, médecin. Ah oui, oui, oui. Non, flagellant et médecin. Ça va être un vrai carnage. Luminosité et peau dure. Ça va être un vrai carnage. Vanguard, à la limite, tu peux venir. Vanguard, tu peux venir. Parce que comme ça, ça on buffera les gens. Doctor. Premier tour, précision critique, dégâts. C'est top, ça, quand même, ce truc. Allez, 15%. Emerald Eral pour le soin. Parce que de toute façon, elle a pas grand chose d'intéressant. Elle. Donc, je voudrais bien qu'elle ait quelque chose. Genre comme ça, ça peut être pas. Ah, quoi que. Hey, attends, il y a peut-être elle aussi. Ça peut être vachement bien. Ça peut être vachement bien, mais du coup, il faudrait que je remplace le saignement, en fait. Et je sais plus si c'est un peu faible au saignement ou faible au truc. Parce que là, c'est quand même une lance qui passe, qui va toucher 4 cibles, qui a potentiellement 2 points d'infection par cible. Donc ça fait un 8 en une attaque. Un dot de 8 en une attaque. Quoi que, non, en fait, c'est pas énorme quand on y pense. Parce que, genre là par exemple, là on fait. C'est... Attends, c'est la cape, c'est ça là. Là on fait 10 en une attaque. Et le docteur c'est la même chose. C'est 6, donc c'est 12 en une attaque. Ouais, donc c'est du pareil. Donc je préfère un flagellant quand même, c'est plus... un peu plus flexible. Du coup, attends, Emerald Herald parce que t'as pas tous tes skills au max. Alors là, il nous faudrait saignement, donc on va mettre ça. Donc ça change d'infliger 20%. Mais je crois qu'on a d'autres objets, mais c'est des objets genre vert ou bleu. Ou alors je les ai pas. Résistance, résistance. Non, peut-être pas. Coup fatal. Résistance au saignement. Non, on n'a pas. Non, on n'a pas dû le récupérer. Donc ça reste très bien. Ça avec PV esquive. J'aime pas la précision en moins par contre. Alors attends, toi. On fait le truc. Comme d'hab, parce que c'est vachement bien en fait ce combo là, c'est vachement pratique. Toi tu vas faire hop. Si on va te jouer riposte. On va te jouer riposte.
peut enlever l'étourdissement aussi. Ouais, on peut peut-être. Ouais, 50% d'étourdissement serait bien. Et toi, comme d'hab. Hop. Nickel. Alors, comment on va te jouer tout comme ça? Ouais, le classique. Ça, c'est le classique, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai qu'on peut rajouter ça. Ah, mais c'est vrai que. Enfin, le protéger, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Surtout que je le fais pas assez, en fait. Je le fais pas assez parce que protéger, ça veut pas dire on protège tout simplement, en fait, une autre personne. On se buff aussi la défense. Donc. Bon, c'est utile. Très bien. Une torche. Bah voilà. Ouais, est-ce qu'on se buff aussi à défense? Spasmodically squirming, braying and snorting half corpses were heaped each upon the other until at last I was rid of them. The warrens had become a landfill of snout and hoof, gristle and bone, a mountainous twitching mass of misshapen flesh fusing itself together in the darkness. C'est dégueulasse. The thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew, and bone. And bone. T'as qu'à pas faire de la merde, hein, c'est une question que je te dis. Ah putain. J'espère que ce liquide a un effet. Ça va, t'as résisté. Bon, il a un peu de stress, Vanguard. Là. J'avoue que c'est pas... pas parfait le plan, mais on va débrouiller. Merde, t'es sérieux? Genre, elles ont tous les deux un point de trop de vie. Magnifique. Ah, 2 points, t'es mort. T'es con. Maintain the offensive. Super. Combat d'aveugle, encore. Ah, j'aurais dû lui enlever... Ah, c'est pas grave. Pas très grave. Là on a un curio, ça pourrait être un buff. M'embête un peu. Ok, parfait. Ok, boss il est en bas. Il y a plein de curieux partout, c'est ouf. Incroyable, plein de curieux partout. Ah. On peut toujours rêver hein, pour que ça passe l'infection. Nickel.
Merde, il va pas mourir lui. On va bien pouvoir le taper, là on fait la... Allez, ah, fait chier. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Voilà. Non, ça servait à rien en fait, parce qu'elle allait mourir là. C'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Bien. Des stress. Success so clearly in view, or is it merely a trick of the light? Bon après on n'a pas de, de DPS combat quoi, ça va, de mêlée, c'est pas grave. C'est pas très grave. On a juste des gens qui font des dots, et surtout ça. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stunner les deux maintenant. Enfin, stunner. J'en sais rien en fait. On va voir. Merde. Ah non, c'est pas passé quoi. C'est pas passé comme je voulais. Je pensais que je pouvais toucher encore les deux, mais en fait non. Ah, maintenant il faudrait que je pousse lui derrière en fait. Mais c'est trop tard. Retraite au trop. Pourquoi tu refais pareil? Bizarre. Ah! Embête. Oh là là! Bon, 4 tours. The ground quakes. Avec la merde. On va faire ça. Tiens. Nickel. Ça va être une bonne équipe quoi. Contre le boss. Il va être super efficace, enfin super résistant en fait. Ah mais putain j'avais pas besoin, j'avais pas vu que t'avais autant de saignement. On va aller se reposer et on fait le boss direct. Alors après il y a plein de curios partout, je sais pas si on va se balader pour aller récupérer les curios, mais on verra comment ça se passe après le boss. Genre dans quel point on est. Allez, on n'en parle plus.
continue the onslaught. Destroy them all. Cool. Il y a vraiment des curieux partout, c'est chelou. Là, ça doit être deux buffs. C'est un peu bête de pas pouvoir le faire. A spark without kindling is a goal without hope. Très bien. La protection. Nickel. Et maintenant, il nous faut esquive, crit. Après, dégâts et crit pour 100, je crois. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose, grand chose. Et, on pourrait faire déstresser les gens parce que c'est vrai que lui il stresse un peu trop. Ça. Voilà. Ouais, je préfère faire ça. Ça baisse un peu le stress et puis voilà. Comme ça, on a moins de risque de stresser pendant le combat. Même si je pense que, honnêtement, ça va être facile. C'est un peu l'équipe, en fait, super difficile à tuer, ça. Hein. Les mecs, ils sont méga résistants. Ah, docteur, t'es chiant. Ah, chianteux. Oh, non. Penchant pour l'alcool, alcoolisme, penchant pour l'alcool. Sans deck. Tiens, voilà, fallait pas boire. Carelessness will find no clemency in this place. In Radiance, parti. May we find victory. Ah, truc dégueulasse. Squirming, contorting and ever expanding. This horror must be unmade. Bam. Impressive. Bam. On peut stun ou pas? Pas vraiment. Qui c'est qui... Ouais, mais vous prenez pas cher en fait. Alors, hop! Oh, il chaud! Sans deck! Hein, dégâts quoi. Ah, ça c'est moins résistant ça, tu vois. Attends, du coup ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça a marché? Ouais. Nickel. Riposte. Precision and power. Très bien. Ça va être marrant s'il tape que sur Vanguard, évidemment, on fait évidemment. Mais si, ouais, s'ils tapent que sur Vanguard et qui se prennent des dégâts en retour, ça va être marrant. Ah, ça, c'est ceux qui soignent. Et ils sont rapides en plus, putain. Ah,
Nickel. Joli. Parfait. Hop, 5 de dégâts en plus, c'est marrant. Hop. Alors, on va faire ça, comme ça, protection. Encore plus d'infection, c'est parti. Voilà, 2, 3. Ah là, ça devient marrant, là, ça devient drôle. Évidemment, faut que tu attaques. Ah, ah c'est chiant. Voilà, là c'est bon ça. Oh merde. Aïe 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 aïe. Vers moi tous ces dots. Voilà, 5 tours. Combat d'aveugle, combat d'aveugle. Ah, ça y est. Waouh, un dégât. Ouais. Eh, 2. Ah, ça c'est le soin. Je crois que vous êtes un peu trop tard, honnêtement, pour le soin. Ouais, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, les mecs. Ah, vous êtes un peu trop tard. Non, même en crit, honnêtement, même en crit, ça va. Ça va pas vraiment bien se passer. 33. La vache. Ah putain, mais c'est toujours le docteur quoi. 38. Étourdissement. Eh hey, on peut les stun facilement eux. Oh, ça c'est du soin ça. Vous êtes déjà mort. Ouais, voilà. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Bien joué. Alors, fais voir un peu. Allez, on va faire un petit tour vite fait. Allez. On a des curios un peu partout. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Voilà. Ambushed by foul invention. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Non. On va aller là et en haut. C'est pas pour le combat. Ouais, c'est pas mal hein, l'équipe hein, quand même. Je peux pas dire mais ça c'est mon équipe de tank enfin équipe résistante contre les boss nickel quoi. Y'a rien à dire. Très difficile de la tuer cette équipe. Donc très content. Poing. 7. Masterfully executed.
Après, j'ai envie juste de sortir, honnêtement. Press this advantage. Give them no quarter. Très bien. A singular strike. Joli. Ouais, faut vraiment que je vais regarder vraiment après là, le mode là, pour accélérer le temps pour les combats. Ça peut être intéressant en fait à utiliser. Faut voir si ça casse rien du jeu. J'ai pas envie de me retrouver avec un jeu bancal. $750. Je vais garder la nourriture au cas où. Je veux pas que ça casse mon jeu, mais quand on fait des trucs comme ça qui sont chiants, redondants, là, autant accélérer le temps. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. A handsome reward. A task well performed. Oui, c'est bon. The match is struck. Eh, on se casse après ce coffre là. Well struck. On fera pas bien sûr de vitesse accélérée sur les boss. Hein. Les boss c'est fun. Donc on va pas le faire. Mais ouais, mais sinon pour les trash comme ça. Honnêtement, go. Ça, je crois que ça accélère les animations et tout simplement. Genre vitesse x2. Donc ce serait vraiment bien. Je regardais les reviews, c'était marrant. Les reviews de... du Mousquetaire. Parce que Mousquetaire, c'est un DLC gratuit. Et les gens disaient, oui bah du coup ça rajoute Mousquetaire, ce qui est un copier-coller en fait de l'arbalétrière. Et ce qui est vrai, en fait, hein, c'est un copier-coller avec un skin différent. Ce qui est un peu étrange en fait, pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'après ils ont sorti le perce-bouclier là, qui est complètement différent de tout le monde. Qui apporte des choses uniques. Donc je comprends pas pourquoi en fait ils ont refait une classe qui est identique à une autre. Enfin, c'est très étrange. Bon, bref. Et les gens disaient si vous prenez en fait du coup le mousquetaire, du coup ça vous fait arbalétrière et mousquetaire qui vont apparaître. Du coup, ça vous fait plus de chances du coup d'avoir la même classe parce que c'est techniquement la même classe. Ce qui est marrant, c'est que nous on a quasiment jamais eu tout notre run. On a une arbalétrière qui est potable. Et on a récupéré une mousquetaire récemment, qui était niveau 3, je crois. Donc c'est assez drôle. S'il y en a qui se plaignaient en disant que... ce qui est normal, hein. Combien de dégâts tu as prendre? 6. Qui disait, oui, ça double le fait d'avoir cette classe-là, quoi. Parce qu'il y a deux classes identiques. Mais ouais, pas pour nous. Donc, toi, sur le dernier combat, tu viens de te taper une maladie, c'est ça? Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Aïe, 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 aïe. Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder, wow, the glint of gold. Je crois que j'ai même pas utilisé les anti-horreurs, là. 14K et avec le cœur de la chair. Donc ouais, saignement 50%. Ouais, ça peut être utile pour certains boss, j'imagine. PV max, c'est, ouais, c'est bof quand même. Hein, c'est bof. Bon, après l'anneau, je suis content parce qu'on en a deux maintenant, des brassards comme ça. C'est cool. Avoir des dégâts généraux en fait sur tout, c'est pas mal.
Genre sans condition, c'est bien. In time, you will know the tragic extent of my failings. Qu'est-ce que c'est ça? Butin du hurleur. Sidéré par l'apparente valeur de ce qui se cache dans ses plumes putrides, les curieux se demandent s'il ne devrait pas monter une expédition et se rendre à son perchoir. Quête narrative, butin du hurleur. On a une nouvelle quête? Comment on fait? Événement urbain. Ok. Toujours de la merde, ça fait plaisir. Oh! C'est du champion, hurleur horrible. Ah, mais il y a des événements qu'on connaît pas encore. Et ça, c'est du jeu principal, hein. C'est pas du DLC. Enfin, je crois pas, en tout cas. Alors, sidéré par la... Oui, il me semble la lu. Et c'est quoi, ça? Alors, serre cruel, hurleur, critique, plus 7%. Putain, c'est vachement bien. Résistance aux maladies, c'est la torche inférieure. Champ d'infini un saignement, si torche inférieure. Stress plus 15. Ah, le critique plus 7%. Ah, j'avoue que le critique plus 7%, il est pas mal. Bon, ça m'embête parce que je voudrais bien, du coup, utiliser... Si c'est un boss, moi, je veux bien utiliser Vanguard, mais il est un peu stressé, Vanguard. Convention médicale... Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ça? Vitesse de la Toussaint. Bah la prochaine fois on fera ça. Nouvel événement, ça c'est cool. J'ai bien envie de garder la même équipe. Il y a juste Vanguard en fait qui est super stressé. Ça c'est un problème ça. Si on enlève Vanguard, on prend qui en fait? Giant Dad. Ah si. Peau dure, PV... Ouais, on peut prendre Giant Dad à la limite. Comme ça. Je sais pas comment ça fonctionne en fait, le boss. Apparemment c'est quoi? C'est un gros oiseau? C'est un gros corbeau? Je vais voir. Butin du hurleur. Ouais, c'est un gros oiseau. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Non, je le sens bien là comme ça. Parce que là, on peut attaquer plus ou moins partout. Bon, lui, il fait 1 et 2. On mettra ça là, les dégâts augmentés. On mettra aussi la protection. Il peut soigner, donc il peut être très résistant. Bon, on peut pas se reposer, donc on peut pas se buffer, c'est pas grave. Là, on a l'habitude de saignement avant, saignement derrière. Le soin. Infection avant, infection arrière. Stun. Je suis en train de me demander si ça, on pourrait pas le changer pour autre chose. Genre peut-être les dégâts en plus. Pour les boss. Parce que c'est vrai que les boss, en fait, on les stun pas vraiment. Mais bon, c'est tellement utile si jamais on en a besoin en combat. Allez, on fera ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.